Il pourrait ouvrir ici, dans cette galerie commerciale de la gare Saint-Lazare. Sur le chantier, impossible d'en savoir plus. On me dit si c'est la télé, il faut rien dire. Ne rien dire sur une rumeur qui agite la toile depuis un an et demi. Burger King pourrait revenir en France après 15 ans d'absence. De quoi réjouir les fans du Whopper, le sandwich phare de la marque. Quand je vais à l'étranger, j'aime bien manger un petit Whopper. Je pense que c'est mieux préparé et c'est beaucoup plus copieux. Contacté par BFM TV, Autogrill, qui gère 75% de la restauration de Saint-Lazare, dément l'installation prochaine de Burger King. Un retour pourtant crédible. Il y a une restauration rapide de très haute qualité qui s'est installée et développée en France, qui fait que Burger King, qui est plutôt qualitatif dans son hamburger, s'est dit il y a sûrement quelque chose à faire maintenant que le marché est en train de s'étendre. S'il avait recours au développement organique, c'est-à-dire ouvrir un établissement par un établissement comme cette rumeur l'entend, eh bien, je pense que dans 10 ans, il aurait 50 points de vente, alors que McDo en a 1300, ça n'a pas de sens. Énième rumeur d'un internaute, buzz orchestré par la marque ou simple réalité? La réponse derrière ces murs, le 21 mars prochain.